Bonjour, très chers auditeurs et auditrices de la radio Sainte-Marie. Je suis Julienne et je vous accompagne chaque jour avec la méditation quotidienne, un moment avec Jésus chaque jour de l'année. Aujourd'hui, 26 janvier, le Seigneur Jésus-Christ nous dit « Renonce à l'illusion que tu mérites une vie sans problème. Une partie de toi espère toujours mettre un terme à toutes tes difficultés. » C'est une espérance trompeuse. Comme je l'ai dit à mes disciples, tu auras à souffrir dans ce monde. Ne place pas ton espoir dans la résolution des difficultés ici-bas, mais dans la promesse d'une vie éternelle, dépourvue de souffrances dans le ciel. Au lieu de chercher la perfection dans ce monde marqué par le péché, applique ton énergie à me rechercher. Moi, je suis parfait. Il est possible de jouir de moi et de me rendre gloire au beau milieu de l'adversité. En réalité, c'est à travers les croyants qui me font confiance au beau milieu des ténèbres que ma lumière brille de plus intensément. Ce type de confiance est surnaturel. C'est l'œuvre de mon esprit qui habite en eux. Même lorsque tu vas mal, fais-moi confiance. Les circonstances m'intéressent beaucoup moins que la manière dont tu y réagis. Aujourd'hui, les textes proposés à notre méditation sont tirés de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 16, verset 33, et du livre des Psaumes, chapitre 112, les versets 4 et les versets 7. Je vous souhaite de passer une agréable journée et vous donne rendez-vous demain sur les ondes de la radio Sainte-Marie, la radio de l'espérance chrétienne.